Ok, go. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de collage d'affiches. C'est une action qui est très importante parce que ça permet de nous faire gagner en visibilité, de montrer qu'on est là et qu'on a une campagne qui est dynamique. Pour le matériel, il faut aller sur la rubrique matériel de l'Action Populaire. Vous avez le site et l'application. Ensuite, il faut se rendre au magasin de bricolage pour se choper un seau, une brosse et de la colle à papier peint. On vous conseille vivement de faire ça à l'eau chaude, donc d'avoir déjà l'eau chaude qui est prête dans votre seau. Ensuite, vous incorporez peu à peu la colle à papier peint. Et puis, si vous n'avez pas tout ça, c'est pas très grave parce que vous pouvez aussi faire de la colle maison avec de la farine. Au niveau des affiches, on a plusieurs trucs à vous proposer. On a les mots d'ordre programmatiques comme ceci. On a également notre affiche générique avec Jean-Luc, donc qui est plutôt sympa. On a également les affiches pour les réunions publiques ou encore les affiches officielles qu'il va falloir coller sur les tableaux officiels devant les écoles. On a un monsieur qui va passer coller dessus, mais il va falloir faire attention à ce qu'elles ne soient pas décollées ou vandalisées. Donc on peut recoller par-dessus s'il y a besoin. Et donc ces affiches officielles, c'est vraiment important de les coller que sur les panneaux officiels. C'est mieux d'être trois pour les collages minimum. Vous pouvez trouver des groupes de collage sur Action Populaire, il y en a souvent qui sont organisés. Sinon, vous pouvez aussi organiser des collages vous-même. C'est mieux de coller le matin très tôt ou le soir assez tard. En ce moment, on privilégie les collages le matin parce que c'est mieux pour pas être décollé et recouvert. C'est mieux de coller dans les endroits qui sont passants parce que sinon, ça sert pas trop à grand chose. Concrètement, c'est les murs qui sont propres, on évite. Vous avez des armoires électriques qui sont très bien pour le collage. Les murs où il y a déjà du collage sauvage, vous pouvez coller. Vous avez aussi des panneaux de chantier qui sont plutôt cool. On vous encourage vraiment à faire du collage parce que déjà c'est cool pour vous aussi. Ça permet de rencontrer d'autres militants, de passer un moment convivial. En ce moment, vu qu'on a 2 semaines des présidentielles, il y a souvent des gens qui viennent nous voir pendant les collages pour discuter et c'est très efficace.